Salut les viewers, c'est Marcus. Bonus, et le jeu aurait-il planté? Ouh, bien le jeu. Ok, le jeu n'a pas planté, chers amis. Il a fallu que je coupe l'enregistrement pour qu'il reparte. Forcément. Bon, bah écoutez, tant mieux. tant mieux. Bon, bah tout se passe bien alors. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus dans la Playroom, toujours, pour une nouvelle vidéo sur Robocraft. Aucune limite. À son pouvoir. Taïo, tu es fichu. Désolé. Oh, je l'ai pas eu. Et vous, la tour? Les mecs. Hop. Ok. Ah, voilà. C'est quand même pas à moi de tout faire. Hop. Moi d'abord. Hop. Ok, viens voir papa. Il y a le mec qui vient par au-dessus. Hein. Hop là, boum. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Boum. Boum. What? Par contre, oui. Ok. On a toutes les tours. Boum. Hop, ça c'est fait. C'est en 1 qu'il y a les méga. Oula. Hop les, ça c'est fait. Ça se passe assez bien. Ils ont leur régen, ce qui ne vaut donc pas le coup. Hop. Parfait. Ils ont capturé quelque chose. T'es sérieux? Boum. Ok. Bon, ça se passe assez bien. Pour le coup, ça se passe assez bien. Il est vraiment solide, ce robot. Je suis sur le cul. J'aurais dû utiliser... Ah, dommage. Bon, il est mort, parce que... Oula, t'es sûr de vouloir faire ça, toi? Ok, merci d'être tombé. Non, mais quel abruti! Hop. Il a même plus envie de se déplacer, lui. Ah. C'est de ta faute! Péris sous les coups de mes missiles! Je l'ai eu. Génial. Oh, pardon. Excuse-moi, l'ami. Bonjour! Ok. Reste avec moi! Je ne te veux que du mal! Hop! Ok. J'arrive, les filles! J'arrive. Hop! 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 Boum! C'est bon! Lui, je l'ai eu! Faut que je recharge! Je suis à court! J'ai plus de piles! Hop! C'est ça qu'il devrait faire avec ses plasmas. Plus la distance de touchage, si je puis dire, est longue, plus les dégâts sont imposants, vu que le comme le principe du poids, quoi. Littéralement.
plus il retombe. C'est ça, plus là, en fait, plus là, plus il y a une différence de hauteur entre la cible, enfin entre le tir et l'explosion, plus il fait de dégâts. Ça devrait être logique. Hop. Bonjour. On essaye de me résister. On tente de me résister. Ah, on m'a résisté. Dommage. Bon bah ça fait une mort, toujours ça de pris. De toute façon on a une équipe qui dépote comparée à celle qu'on a en face apparemment, hein. Donc c'est un peu dommage mais bon. Pourquoi pas. Ça fait bizarre quand ça arrive ça. L'espèce de respawn, on a l'impression d'être quelqu'un d'autre, ça fait très très bizarre. Je veux pas dire hein, mais sur le coup ça m'a paru très très bizarre. Ok, bon on va avoir une je dirais une silver. Peut-être une gold, une silver ou une gold. Je dirais une silver. Une gold, d'accord. Ok. Ah oui d'accord, Alienware Mask. Ok. Et un drapeau. Pirate holoflag, d'accord. Cool, bon bah c'est sympa. On va en refaire une deuxième. Est-ce qu'on reprend ce robot qui ne doit pas être efficace? Je sais pas. Non, on va reprendre celui-ci. Celui-ci, il manquait un peu de peps, on va dire. Peut-être que je devrais... Alors, je voudrais peut-être rajouter 2-3 petites choses sur ce robot, peut-être. Je sais que ça vous a pas plu que j'enlève la tortue à l'avant, mais bon, c'est pas grave. hop, je voudrais plutôt que je voulais. Et je crois qu'il en a déjà un, parce qu'il a déjà ça, mais il a peut-être pas le radar allié, cela dit. Hop. Hop. Voilà. Après, ça peut être pratique. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on pourrait rajouter sur ce vaisseau? Robot. Pardon. Faut le temps que ça revienne. Hop. Hop. En orange, peut-être? Non, en noir, c'était mieux. Ok. Histoire 2. Et est-ce qu'on peut rajouter autre chose? Je sais que ça vous plaît pas que je modifie ce robot, que je l'ai déjà fait trop de fois et que c'était pas bien. Est-ce qu'on peut rajouter une dernière chose? Comme par exemple du cosmétique. Vous savez les choses que vous adorez, chers amis. Hop. Voilà. Voilà. Et pour terminer, des pics. Hop, voilà, en voilà une tortue agressive, chers amis. je rigole, hein. Vous ragez pas, hein. Je vous aime. Hop, bon, on part avec, c'est parti. Hop, et on va partir en Battle Arena pour faire toujours le petit côté enlever la redondance. C'est pour ça que j'essaie de tourner un petit peu sur les robots. Je sais que mes constructions sont pas top, chers amis, hein. Véritablement, je le sais, hein. Excusez-moi, j'ai un peu soif parce que là j'arrête pas. J'ai bien gueulé en plus tout à l'heure sur Overwatch. C'était en dehors d'un tournage, hein. J'étais pas tout seul, j'ai continué à essayer de faire du compétitif. Ça a été un peu chiant. Et on m'a expliqué pourquoi en fait je tombais que sur des mauvais joueurs en fait. Apparemment, ce qui se serait passé, c'est que c'est un peu comme... On m'a expliqué ça comme ça. C'est un peu comme le Pokérus dans Pokémon. Le Pokérus dans Pokémon, en fait, c'est une maladie, entre guillemets. Une maladie, hein, parce que ça augmente quand même l'XP de vos personnages. Enfin, de vos Pokémon, en fait. Quand le Pokémon est atteint, l'XP qu'il gagne est augmenté. Bon, ça, c'est le principe de base. Donc, ce truc-là, en fait, si vous mettez le Pokémon en question, si vous essayez de ne pas pratiquer le truc, si vous le mettez dans une boîte de PC, le Pokérus va se propager aux autres Pokémon de la boîte, normalement. Avec un peu de chance. Donc voilà comment en fait on augmente drastiquement la vitesse d'XP des Pokémon. Bon. Et en fait, ce qui est possible, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui avait un mauvais niveau ou un mauvais MMR et que j'ai fait un groupe avec quelqu'un, il y avait une grosse différence de niveau. J'ai perdu et j'ai peut-être continué la soirée avec lui. En continuant cette soirée, j'ai bousillé mon ratio victoire-défaite. Et en bousillant ce ratio, je suis tombé avec un MMR, donc qui est en fait l'équivalent d'un ratio, enfin qui est une donnée qui est équivalente au ratio victoire-défaite apparemment dans le jeu. Et donc, en bousillant ce MMR, je me retrouve qu'avec des personnes qui sont aussi d'un niveau d'un niveau de jeu qui n'est pas forcément égal à leur rang. Parce que j'ai joué avec plusieurs personnes et à chaque fois les personnes m'ont dit bah on a bien vu que c'était pas forcément de notre faute à nous, je sais bien que je suis pas de notre faute à nous pardon.
Je sais bien que je suis pas un excellent joueur, mais il y a quand même bien pire. Et pour le coup, bah, j'étais pas le pire normalement. Et bah voilà quoi. Du coup, il y a une raison. Il y a une raison. Hop. 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 Allez. Eh merde. Ah bah oui, il est temps que tu me heal. Je veux pas dire, hein, je l'ai pratiquement tué le machin. Ah bah oui, mais casse-toi, que je puisse reculer, te mets pas derrière moi. Ah bah voilà, j'ai tout pris dans le nez. Bien, eh hey, tu me heal. 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 Ah bah non. Aide-toi, le ciel t'aidera. Faut que je prenne des points sur cette tour. Qu'est-ce que... Tu vas dégommer le dernier, voilà, hop. Peut-être ça que j'aurais dû mettre sur ce truc, c'est des heals plutôt que des trucs cosmétiques. Oula, il va y avoir du monde là. Non mais j'ai rien fait, moi je m'enfuis. Je m'enfuis. Je m'enfuis. Pourquoi il me focus? Parce qu'ils veulent prendre l'autre tour. Ah bah, ah bah oui, physique. Physique. Physique sucks. Alors je vous rassure, si jamais vous heurtez un... Vous heurtez un, comment, un trottoir dans, avec votre voiture dans la vie réelle, votre voiture ne fera pas un demi-tour. Enfin, si vous la heurtez à 15 km/h, votre voiture ne fera pas un tête à queue et se retrouvera sur... Enfin, un tonneau et se retrouvera sur le dos. Ça, c'est... Je peux vous l'assurer, hein. Ça ne marche pas comme ça. Encore moins quand votre voiture est extrême et plus large que haute, normalement... Les chances sont vraiment minimes, hein, sur le principe, hein. Mais bon. La physique, c'est plus ce que c'était, hein. Faut se le dire, chers amis, aussi, hein. La physique, avant, c'était quelque chose de bien, mais là... Ça a changé. Oh, bah merde. Je pensais que mes copains allaient m'aider de l'autre côté, mais apparemment, c'est pas trop ce dont ils ont envie. Hop. Les copains. Allez, focus les copains. Ah. Mais merde. Fuite. J'ai plus de piles. Je peux reculer, j'ai plus de piles. Reste pas derrière moi. Ah bah oui bah. Il est bizarre à contrôler ce rebond en fait. Il devrait pas glisser du tout, mais en fait il glisse légèrement. Et légèrement constamment en fait. C'est très étrange. Hop, vous voyez la vitesse avec laquelle il tourne. Ah. Viens avec moi. Viens me voir. Hop. Hop, non. Hop. Encore plus en marche arrière, vous voyez, il continue à tourner alors que j'appuie qu'une fois sur le bouton, c'est rigolo. Il est vraiment très sensible au niveau du bouton de virage. Et regardez le temps, regardez, écoutez bien. Vous avez vu le temps qui continue à tourner? Ok, reste derrière ton shield, c'est pas grave. C'est vraiment du heal que j'aurais dû mettre en fait, pour pouvoir healer mes potes. Ça aurait été 100 fois plus utile. Hop, on va se barrer. On est tout seul à couvrir le point, mais on s'en rend pas compte. Non, il y a lui, du coup on peut peut-être passer au centre. Hop. On a de la chance parce que normalement ce robot est censé être très sensible à tout ce qui est plasma par le haut. Et on n'est pas tombé dessus. Vraiment, on a de la chance. Merde, j'avais pas compris qu'ils allaient être aussi nombreux.
Bon, ça fait pas de dégâts apparemment, hein. L pour Light. Ah. Hop. Tu veux t'arrêter. Ah ouais, mais vous êtes plusieurs là, c'est pas drôle. Au secours. Pensez-vous qu'il va tirer. Ah, ça y est. Ah, cool. Merci. Hop. Merci. Hop. Viens voir papa. Allez Marcus. Oui. Oui, tu l'as eu Marcus. Est-ce que quelqu'un peut bien venir me péter ce truc là? Hop. C'est pas comme si j'avais été heal, hein. On y retourne. Bouclier. Hop, et de 1. Je lui fonce dessus. M'en fous. Fuck you. Alors j'essaie d'incruster une image de fuck. Fuck it. Wow, bah d'accord. Alors je pensais pendant un temps que les Trax étaient censés être hyper lourdes, etc. Empêcher tout vol possible du robot. Mais finalement, en fait on vole assez bien. Bah alors. Arrière, ville créature. Oups. Oopsie daisy. Aïe. Qu'est-ce que j'ai pu avoir mal au cul. Faut que je grappille quelques points par là. Ok, c'est bon, régène. Hop. Ok. Demi-tour. Contournage, flancage. Hello there! Blah blah blah. Boom! Beach! Get out the way! Get out the fucking way! Dégage! Dégage, tourbillol! Tu l'as jamais vu! Tu l'avais jamais vu faire le tourbillol! Maintenant tu l'as vu! J'ai un copain. Nous ne sommes pas seuls. Bonjour. J'ai jamais fait autant de... J'ai l'impression que je jouais à un jeu plus Top Gear que... Ah bah merde, j'ai plus d'armes. Vas-y, je te couvre. Fais péter. T'es bon. T'inquiète, je vais régène. Je vais régène avec le temps. Hop les. Eh ben on a géré. On a géré, chers amis, pendant ces deux parties. Génial. Ouh. On n'est pas dans les premiers, on est dans les derniers. Oh, pourtant, j'ai pensé qu'on avait carrément géré. Et finalement, on est dans les derniers. Bah, on tombe vraiment sur des gens forts. Là, pour le coup, moi, MMR est pas mauvais. Ce qui est assez incroyable, d'ailleurs. Hein. Bon. Ah, ok, bah c'est cool. Un drapeau belge. Des loupiottes. Alors, on va quand même revenir sur ce robot. Deux secondes. Je veux bien admettre que j'ai fait le con.
Je veux bien admettre que j'ai fait le con, j'aurais dû y penser avant. Par contre, ouais, du coup, ça va du coup consommer plus. Et vous m'avez fait la remarque déjà que je faisais des robots qui consommaient déjà énormément. Donc déjà, je vous remercie d'avoir fait cette remarque, parce que c'est vraiment sympa de votre part. Vous avez entièrement raison. C'est vrai que j'ai l'habitude de faire des robots qui consomment énormément. Encore faut-il que j'ai l'endroit pour pouvoir placer ce... Oh, je sais. Le truc que j'aime pas faire habituellement. Et là, vous allez me dire que j'ai encore fait une bêtise. Il manquerait plus que ça! Me dites pas que j'ai fait une bêtise! Hop! Voilà! Et comme ça, je peux heal. Moi! Ah. Ben voilà! Voilà. Ce robot est devenu parfait, normalement. Eh bien écoutez, chers amis, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, dont vous pourrez trouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens! Et yop!